Bonjour, bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit peu spécial, puisque ça ne va pas être un let's play dans le sens où je vais jouer à un jeu en le découvrant avec vous, enfin en créant une nouvelle partie, en le découvrant ensemble. Je vais plutôt partir sur un MMO, déjà c'est... Non, j'avais déjà présenté Star Trek Online il y a quelques temps, donc à part Star Trek, ça va être le premier MMO que je vais vous présenter. EVE Online, donc, puisque le nom n'est pas écrit entier, dans sa dernière occurrence, qui est Rubicon, ou Rubicon. Et donc, voilà, c'est un jeu auquel je joue depuis quelques années maintenant. Je crois que ce perso date de 2005, 2007, je m'en rappelle plus. Voilà, ça fait un petit moment que je joue. Je ne suis pas un joueur très assidu, mais bon, petit à petit, j'ai un peu fait mon... J'ai un petit peu fait mon nid dans ce jeu. Voilà, donc vous allez voir un peu... J'espère le présenter un peu comme un tutoriel, puis c'est un jeu qui est assez intimidant, il est relativement complexe, il est uniquement en anglais, et n'attendez pas à ce qu'il soit en français sous peu, hein, c'est vraiment pas du tout dans les prévisions de CCCP. C'est un jeu qui restera en anglais, donc si la langue anglaise vous rebute complètement, bah vaut mieux pas approcher EVE, quoi. Ceci dit, avec ce tutoriel, enfin ce que je vais vous proposer, vous devriez pouvoir... sans doute, sans prétention aucune de ma part, faire vos premières armes dans ce jeu. Donc je vais présenter ce tutoriel en deux parties, en plusieurs vidéos. Tout d'abord, je vais vous faire une démonstration des éléments de base du jeu avec mon perso avancé, donc qui est déjà au niveau Battleship, donc qui a déjà un cuirassé, donc un navire parmi les plus gros. Donc après, il reste que les Dreadnoughts et les Titans, donc voilà, je suis, on va dire, assez avancé là-dessus. Je vais vous montrer un peu comment se déroule l'émission, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on gère les compétences, comment on gère le standing, et donc peut-être sur une vidéo ou deux, selon comment ça se passe. Et ensuite, je créerai un nouveau perso, et ensemble, nous regarderons les premières étapes du jeu, les premières missions, comment faire évoluer son standing dans les premières factions, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, je commence avec Brazouk. Donc mon personnage principal. Alors j'ai deux comptes. J'ai pas créé deux persos sur le même compte, parce que le fait de créer deux comptes me permet de jouer avec deux persos simultanément sur deux ordinateurs différents. Voire sur le même ordinateur en faisant du Alt-Tab. Ce qui permet d'avoir un perso qui joue combat, et un deuxième qui est mineur, mineur demandant un peu moins d'assiduité de ma part. Donc voilà, je suis dans le hangar d'une station spatiale. Donc là il y a un de mes vaisseaux, un Héron, donc c'est une frégate légère, qui me sert pour vendre le loot. En fait, quand j'ai pas mal de loot, donc de butins que j'ai pris à des adversaires, à des vaisseaux ennemis, pour le vendre c'est beaucoup plus compliqué que dans les autres MMO. Il suffit pas d'aller voir un PNJ et de lui vendre du matos, il faut écouler sa marchandise. Donc je vous montrerai ça un peu plus tard. Je vais passer dans mon battleship, donc qui est mon vaisseau principal. Le Petrograd. Hop. Voilà l'engin. Vous avez vu, on a vu pendant une seconde le héron qui était vraiment minuscule, il faisait à peu près la taille de mon curseur là actuellement. Donc voilà mon Raven. J'ai d'autres vaisseaux, hein, notamment un Battle Cruiser Drake que j'aime beaucoup. Donc là nous sommes dans la station spatiale, donc dans une station spatiale parce qu'il y en a des centaines. Où se trouvent différentes options, des différents magasins, l'infirmerie, la zone de réparation, l'usine, le truc à vêtements, etc. Donc je peux tout faire ce que je viens de faire dans la station en cliquant sur ces boutons. Par exemple, si je veux aller sur le marché, je clique ici, hop, et j'ai le market qui s'ouvre. Si je veux aller à l'infirmerie pour acheter un clone, clop, je clique ici, j'ai ça qui s'ouvre. Une des précédentes versions d'EVE a ajouté une option qui permet de se déplacer, donc Ship Hangar, qui permet de se déplacer comme dans d'autres jeux, en bougeant son personnage et en interagissant avec le décor. Attendez, il faut que je mette un petit chrono parce que c'est pas que ce tutoriel dure trop longtemps. Bon, c'est une option que j'utilise quasiment jamais, parce que voilà, donc comme ça on a notre personnage directement, qu'on peut déplacer. Donc il ne court pas, bah ouais. Ah, je voulais boire un peu d'eau parce que j'ai très soif et on ne peut bouger qu'avec la souris. Donc, je bouge mon micro. J'ai très soif, on sort d'une grosse raclette. Voilà, donc on peut entrer dans les quartiers du capitaine. Et donc si je veux accéder par exemple à la configuration de mon vaisseau, plutôt que de cliquer sur le bouton
configuration du vaisseau ici, ben je clique sur configuration du vaisseau, là sur le petit hologramme de mon vaisseau. Pareil pour discuter avec d'autres personnes, j'ai une espèce de tablette ici. Pour les infos, ben j'ai un écran ici. Tout ce qui est écrit ici est réel, hein. C'est vraiment des choses qu'il y a dans le jeu. C'est pas juste un écran de pour faire joli. Il annonce réellement les infos des environs. Donc ça peut être assez intéressant des fois de le regarder. Voilà, donc là c'est une pub pour un vaisseau qu'on peut acheter. Là c'est ma corporation, donc c'est en gros la guilde hein, dans laquelle je suis. Voilà, donc on peut, donc c'est juste pour s'amuser hein, ce système. Pas très utile. Moi, personnellement, je préfère rester dans le hangar, on gagne du temps. Donc voilà mon vaisseau, donc ça c'est un battleship. Donc les vaisseaux se divisent en classes, les premières étant les frégates, ensuite les destroyers, les croiseurs, les battlecruisers, les battleships, les dreadnoughts et les titans. Donc il y a une énorme trou entre guillemets entre le battleship et le dreadnought. On peut arriver au battleship, je dirais pas rapidement, mais sans trop de difficultés. Par contre, passer au titan, enfin au dreadnought, il faut quand même pas mal avancer. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Le LP Store, pendant certaines missions, en plus de l'argent, on gagne des loyalty points qui permettent de débloquer des artefacts, enfin des objets un peu spéciaux, qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent normal. Il faut des loyalty points, donc on gagne avec des factions. On viendra plus tard. Ça, c'est l'assurance. L'assurance. Très important. Dans Eve, vous avez votre personnage qui a des caractéristiques. Donc je clique sur ma feuille de personnage et ma feuille de personnage avec mes stats, etc. Votre personnage, quand il meurt, quand vous faites... comment dire, vous achetez un vaisseau. Vous devez payer un vaisseau avec votre argent en jeu. Vous achetez un vaisseau. Vous faites des missions, vous faites plein de choses. Si vous êtes détruit, que ce soit en PVP ou en PVE, donc contre un autre joueur ou contre l'ordinateur, votre vaisseau est réellement détruit. Vous perdez tout votre inventaire, votre vaisseau est détruit, il faut le racheter, donc c'est vraiment une perte sèche. Si votre capsule de sauvetage est détruite, votre perso est mort. Donc si vous avez un clone qui est à jour avec votre bonne compétence, tout va bien. Sinon, vous perdez même vos skills, vos points d'expérience. L'assurance, c'est une façon de pallier à ça, vous pouvez assurer un vaisseau. Vous payez un montant, j'y vais, hop là. Donc mon Raven, je peux avoir une assurance basique pour 5 880 000 crédits. Ou la Platinum pour 35 millions de crédits. Et si mon vaisseau est détruit, ils me rembourseront 117 millions sur le prix de mon vaisseau. Bon, je suis très 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 prudent avec mon Raven. Donc je ne l'assure pas. C'est sans doute une bêtise. Parce que si je le perds un jour, je vais pleurer. Mais parce que j'en ai pour pas loin de 250 millions, je crois, dessus. Donc repartir à zéro, ça me ferait très 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 mal. Mais bon, c'est un risque. Donc je ne l'assure pas. Quand vous commencez à jouer, assurez vos vaisseaux, vraiment. Les bounties, donc les primes. Donc on voit ici les joueurs qui ont des primes sur eux. Quand un autre joueur peut poser une prime sur votre tête. C'est-à-dire que si quelqu'un vous abat, vous tue réellement, donc détruit votre vaisseau et détruit votre cabine, il gagne la bounty, donc la prime qui a été mise sur votre tête. Moi j'ai une prime de 100 000 crédits, quelqu'un a mis 100 000 crédits sur ma tête. C'est suite à une discussion sur le chat. Donc voilà, si quelqu'un me tue, il gagne 100 000 crédits. 100 000 crédits c'est des pécadilles, hein, c'est pas grand chose. Lui par exemple, attendez, 942, 47 millions, 5 milliards 47 millions 942 000. Ouais, lui, il est assez intéressant. Maintenant, je ne m'attaquerai pas à lui. Mais bon, on peut avoir des infos sur lui pour essayer de le trouver, oui, wanted. Et si on l'abat, on touche la somme de 5 milliards de crédits. Ah, ça donne envie, hein. Bon, c'est... Il a tué 995 autres joueurs, lui. Donc, c'est un peu un tueur, quoi. Donc voilà, on peut aller dans le bureau des primes et essayer de trouver les... de jouer le chasseur de primes quand on est d'assez bon niveau. Ça peut être intéressant. Donc moi, j'ai jamais gagné de primes. Ah non, ça, c'était les Bounty Hunter, pardon. Ça, c'était les meilleurs Bounty Hunter. Là, on a les Most Wanted. Voilà. 65 milliards. Voilà, je me disais bien aussi. Lui, pardon, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Donc lui, il a chassé pour 5 milliards de primes. Il a touché pour 5 milliards des primes qu'il a... de gens qu'il a abattu. Lui, voilà, le plus recherché actuellement dans cette région, c'est lui, Flumes. Bon, voilà, 65 milliards, c'est vrai que c'est pas mal, hein, c'est intéressant. Ça, c'est mon vaisseau. Voilà. Donc ici, j'ai les items que je mets sur mon vaisseau. Alors, ça méritera un tutoriel entier, d'ailleurs on le fera, je pense. Sachez qu'un vaisseau se découpe en 3-4 secteurs. Les high slots, donc un slot c'est un emplacement pour de l'équipement. Donc là, celui-ci, il a 7
high slot emplacements, donc des emplacements high slot, c'est souvent ceux qui servent aux armes ou aux éléments actifs. Donc j'ai 6 lance-missiles et un tractor beam, un rayon tracteur. Là c'est les med slots, donc c'est ceux qui consomment un peu moins d'énergie. Ils servent souvent à des boosters. Donc là j'ai un booster de recharge de bouclier, un booster de capaciteur, 4 tank shield donc pour améliorer l'efficacité de mes boucliers, et un désignateur laser pour améliorer la précision de mes armes. Et là il y a les low slots, donc c'est souvent des équipements passifs, donc ils donnent des améliorations sans qu'on ait besoin de désactiver. Donc j'en ai 3 qui augmentent la cadence de tir et les dégâts de mes missiles, et 2 qui augmentent ma génération d'énergie. Et ici on a des rigs, donc c'est des appareils qu'on ne peut plus enlever une fois qu'on les installe, qui améliorent intrinsèquement la valeur d'un vaisseau. Ces 3-là augmentent ma production d'énergie. Donc ça, je vous expliquerai en détail plus tard. Donc on est limité au nombre de slots, chaque vaisseau a plus ou moins de slots dans chaque catégorie. Et au CPU et à la power grid, donc ça c'est la puissance du processeur, et ça c'est l'énergie. Donc vous voyez, là j'utilise 109 de CPU sur 900, donc je suis largement dedans. Non, c'est ce qui me reste, pardon, il me reste 109 sur 900, donc c'est le bleu. Et la power grid, il me reste 5300 sur 14000, donc c'est le rouge. Donc chaque item, chaque objet que je mets, fitting, donc vous voyez c'est du low power, donc ça se met en bas, et ça a un CPU usage de 16. Ça ne coûte pas d'énergie celui-là. Alors que si je vais dans un de mes boosters de bouclier, je vois qu'il a un power grid de 1 MW, 44 en énergie, et il se met dans les médiums. Voilà, donc lorsque vous achetez de l'équipement, il est intéressant de bien vérifier tout d'abord à quel point votre CPU et votre power grid peuvent le gérer. Qui est-il ensuite? Le capacitor. Donc le capacitor, cap is life, le capacitor c'est la réserve d'énergie de votre vaisseau, c'est votre batterie. Chaque action que vous faites, la plupart pardon, tirer avec une arme, activer un rayon tracteur, activer un booster de bouclier, vous coûte de l'énergie. Donc là, j'ai 6063 gigajoules d'énergie. Activer mon booster de bouclier, qui recharge mon bouclier, si j'ai dans l'attribute, à chaque activation, ça me coûte activation cost 360 gigajoules sur mes 6000. Et pour ces 360 gigajoules, ça me fait un shield bonus de 621 HP. Donc ça rend 621 points de vie à mon bouclier. Donc une impulsion de cet objet me coûte 360 d'énergie, rajoute 620 à mes boucliers. Et toutes les 5 secondes, il se réactive. Donc toutes les 5 secondes, il me bouffe 360 gigajoules et il me rajoute 621. Donc là, actuellement, j'ai des appareils qui servent à augmenter la recharge de mon capaciteur, donc de mon stock d'énergie. Donc celui-ci me fait moins 15% en temps de recharge, donc il me permet de raccourcir le temps de recharge, donc il augmente ma vitesse de recharge. Ces choses-là font la même chose. Un peu moins, 8,5%. Résultat, il me faut 378 secondes pour me recharger complètement si je suis à vide. Donc ça me permet de voir si j'active tous mes objets. Je me deplète, donc je me vide en 1 minute 50. Donc là, si j'active tout mon vaisseau, tous ses équipements, en 1 minute 50, il est à plat d'énergie. Si je désactive ça, je le mets off, je suis stable. C'est-à-dire que même en activant tout, je baisse pas en énergie. Donc je produis plus que ce que je consomme. Donc ça, c'est vraiment très très gourmand, ce truc. Vous voyez là, 1 minute 50, si je désactive mes boucliers, 1 minute 55, j'en coupe un autre, 2 minutes, voilà, je gagne 5 secondes à chaque bouclier que je désactive. Donc ceux-là, ils sont bien. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un tank actif, ce vaisseau, c'est-à-dire qu'il faut savoir à quel moment activer ou désactiver ce module qui recharge les boucliers. Il y a des vaisseaux qui sont tank passif, on peut tout activer, il reste stable et donc on se prend pas la tête. Mon Drake est tank passif, un autre de mes vaisseaux, je peux tout activer, j'ai quasiment pas besoin de toucher aux commandes pendant le combat, il va gérer son énergie sans problème. Donc là ce sont mes armes, donc mes tourelles font 0 DPS, donc j'ai pas de tourelles, mes missiles font 462 DPS en tout, et j'ai des drones, donc des petits vaisseaux que je peux lancer, qui font 45 de DPS. J'ai un total de 506,8 de DPS. Là, il y a les shields, donc les tanks. C'est-à-dire que si je suis touché par un... Alors, il y a 4 éléments. Il y a chaque arme est soit électromagnétique, thermique, kinétique ou explosive. Donc là, mon bouclier... Donc, il faut que je vous explique un peu tout, c'est compliqué, il y a plein de choses. Un vaisseau a 3 couches de défense. Tout d'abord, les boucliers de protection. Quand ces boucliers sont tombés, c'est le blindage. Quand son blindage est tombé, c'est la structure. Donc moi, j'ai 9000 points de bouclier, 6000 points de blindage, 7000 de structure à peu près. Mon shield, donc mon bouclier, ma première ligne, si je touche de l'EM, 100% des dégâts que je subis sont appliqués à mon bouclier. Vous voyez, j'ai 0% de tank. Sur mon blindage, par contre, j'ai 50%. Donc 1000 points de dégâts, j'en prends que 500 grâce aux 50%. Sauf que mes boosters de bouclier, quand je les active, hop là, lui, si je l'active, il me fait 55% de résistance à l'EM. Donc là, de 0, je vais passer à 55 sur mon bouclier, grâce à mon EM Warpfield, à ce truc-là. Si j'en active 2, le deuxième va être un peu moins efficace, je vais monter environ à 80%. Donc sur 1000 points de dégâts, je vais en prendre que 200 dans l'EM. Donc avant chaque mission, il faut savoir
vers quel type d'ennemi on se dirige pour prendre les bons boucliers, donc les bons shields, qui vont bloquer les bons éléments. Idem pour les ennemis ont tel type de tank, donc ils bloquent contre tel ou tel, et il faut adapter ses munitions en fonction de l'ennemi. Donc là j'avais pour ma dernière mission des missiles EM électromagnétiques, parce que mes ennemis avaient des défenses électromagnétiques très faibles. Donc là c'est tout le tank. Donc moi, je tank shield, c'est-à-dire que je mets toute mon efficacité de tanking, donc de résistance, sur le shield. Certains autres vaisseaux, notamment les Minmatar, puisqu'il y a 4 factions dans le jeu, tankent plutôt armor. Et tanker structure, c'est assez risqué parce qu'on n'a pas de, zone tampon, quoi. C'est la structure, une fois qu'elle est descendue, le vaisseau est détruit. Donc généralement, on tank shield ou armor. Targeting, c'est la distance de verrouillage des cibles. Donc je peux verrouiller une cible à 93 km. Donc si un ennemi est à 93,75 km, je peux verrouiller mes armes dessus. Après, il faut que mes armes puissent tirer à cette distance, évidemment. Donc ça, on peut l'améliorer ou le réduire avec différents éléments pour viser de plus loin. Et je peux viser cette cible simultanément. Et enfin, la navigation, c'est ma vitesse. Ça, on verra plus tard. Donc là, je vous fais un petit tour rapide. On le fera plus en détail quand je reprendrai une partie de zéro. Donc ça c'est le marché, on peut acheter plein d'objets. Pas forcément dans cette station, je vous ferai un tutoriel spécial sur le marché. Ça c'est le reprocessing, donc ici on peut transformer le loot, donc les objets qu'on a, en minerai. Soit pour l'utiliser pour refabriquer autre chose, soit pour vendre le minerai. Donc il faut avoir les bonnes compétences, sinon c'est pas la peine. Ça c'est pour réparer donc tout ce qu'on a qui est endommagé. Ça c'est pour acheter un clone. Donc on a des points d'expérience dans ce jeu. Si on meurt, si notre personnage se fait tuer, on retourne à notre précédent clone. Si là mon clone que j'ai actuellement me permet de sauvegarder 12 millions de skill points, de points d'expérience. J'en ai actuellement 10 600 000 points d'expérience. Donc si je meurs, c'est bon, je perds rien. Par contre si j'avais 13 millions de points d'expérience et que j'avais pas un clone suffisant, je perdrais mon surplus de points d'expérience. Donc il faut souvent acheter des clones à jour. On peut également acheter des jump clones, donc un second clone pour jumper directement. J'ai un clone dans un coin de l'univers, un clone dans l'autre coin de l'univers, je peux passer de l'un à l'autre sans difficulté. Donc ça je n'y vais jamais, c'est pour changer le visage de mon personnage. C'est vrai qu'il a Eve a un système de personnalisation des personnages qui est vraiment très très sympa. On peut, je vous montrerai lorsque je créerai un nouveau perso. On peut vraiment personnaliser comme on veut. Il y a pas mal de choses. Et là, c'est pour acheter des vêtements, je crois. Pareil, j'y vais jamais. C'est pour faire joli. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va sortir. On va faire un petit tour dans l'espace. Donc ici, il y a les différents boutons qui sont quasiment les mêmes que ceux-là. Notamment le porte-monnaie qui est intéressant. Puisque donc je vois j'ai 390 millions ici en banque, et si je fais load, je vois toutes mes dernières transactions. Ce qui m'a coûté de l'argent, ce qui m'en a fait gagner, etc. Il y a mes assets, donc tout ce que je possède, dans chaque station. Par exemple, dans la station de Massal 6, j'ai ces équipements-là, donc j'ai dans différentes stations spatiales, j'ai différents équipements qui traînent un peu partout. Il y a plein d'autres choses, la science et l'industrie, donc c'est pour fabriquer, faire de la recherche. Ma corporation, donc c'est la guilde dans laquelle on fait partie. Donc je suis parti de Astroya Guard, qui est une corporation qui pour l'instant est un peu au point mort. Le mail évidemment. Et quelque chose de très sympa, il y a un navigateur intégré au jeu, donc on peut se connecter à internet. Il y a énormément d'outils dans browser. Donc là je peux aller sur internet, c'est très utile pour aller notamment sur certains sites d'aide. Ah, il est fermé lui. Il est fermé, bookmark. Bon, bah il est fermé. On peut aller sur Eve Survival, qui est très utile, puisqu'il propose énormément de... Eve Survival, qui propose énormément d'aide, notamment sur les missions les plus difficiles. Allo Wiki est désactivé aujourd'hui. Ah, ça tombe mal. Hein. Donc très très utile, le Eve Survival. Le journal pour consulter les missions que l'on a à faire. La carte. La carte qui est gigantesque. Je suis au système Tidasha ici. Et si je dézoome, vous voyez qu'il y a quelques systèmes stellaires. Et je crois qu'il y en a d'autres. Hein. Je n'ai pas toute la carte là. Voilà, donc le jeu est tout simplement gigantesque. On va faire un petit tour dehors. Je vais pas prendre ce vaisseau, parce qu'il est très lent. Donc après tout, il n'y a pas de raison que je m'embête avec lui. Je vais prendre mon Héron qui est plus rapide. Je vais pas vous lancer une mission aujourd'hui, je le ferai dans une seconde vidéo. Allez, on va faire un petit tour dehors. Quand je clique sur Undock, donc pour quitter la station, il faut quelques secondes. Me voilà dans l'espace. Donc voilà la station. Personne d'autre ici. Très calme.
Donc, dans ce jeu, pour commander son vaisseau, c'est très simple. On met la souris dans la direction où on veut aller, et on double-clique. J'ai un double-clic, mon vaisseau va tourner. Voilà. On commande pas au clavier, ni au joystick, ni rien. On fait que double-cliquer dans la direction où on veut aller. Alors là, vous voyez, je suis aux alentours d'une station spatiale. Si je dézoome, il y a une planète, il y a différentes choses. Pour passer d'un système à l'autre, là, disons que je veux aller à Odlib, il faut que je passe par une porte. Donc par une porte spatiale. Donc ici, j'ai les éléments qui sont loin. Vous voyez, là, j'ai la station, 10 km. J'ai un joueur qui est à 11 km, je peux faire un petit coup d'œil pour le voir. Lui, il y a une barge, c'est un genre de vaisseau de transport. Il y en a un autre, Barnabas, qui est là. Donc on peut faire du PVP, lui c'est un mineur, on peut faire du PVP sauvage, hein. Je peux très bien décider de les attaquer ici. Je suis en high sec, je vous expliquerai tout à l'heure, je vais me faire désosser par les flics, hein, si je fais ça, donc pas intéressant. Et des choses plus loin, donc le point de passage vers Odlib, il est là, il est à 9,7 unités astronomiques, donc c'est assez loin. Et alors là je peux cliquer sur aligner, donc mon vaisseau va se tourner dans la direction de là où je veux aller. Avec mon moteur qui va à 400 mètres secondes, j'en ai pour quelques siècles. Ou bien je peux tenter de faire un warp, enfin je peux warper. Donc, j'active mon warp drive et je file. Ouf. Donc ce vaisseau passe très vite en warp, avec mon battleship ça va beaucoup moins vite, hein. Il faut une bonne dizaine de secondes pour qu'il prépare son moteur warp. Sachant qu'en PVP vous pouvez brouiller les moteurs warp adverses pour les empêcher de fuir vite. Donc voilà, j'arrive à la porte, je suis toujours dans le même système, hein. Je suis toujours dans le système petit d'achat. Et une fois que je suis assez près de la porte, je peux cliquer sur jump, et là, on fonce au système Odlib. Nous y voilà. Donc mon vaisseau est invisible. Les 30 premières secondes, je crois, lorsqu'on arrive, on est invisible. C'est pour éviter que quelqu'un qui est AFK se fasse sauvagement attaquer alors qu'il est encore en transfert. Donc je vais sauter vers un autre système, vers une autre porte. Donc là, c'est la porte qui me ramènerait à Tidasha. Donc là, je file. Donc ce vaisseau est pas armé. Hein, donc même si on me le détruit, j'ai pas trop peur. Mon clone est à jour. Je prends pas trop de risques là. Il vaut, je sais pas, il vaut peut-être 1 million, même pas. Une frégate, ça doit valoir 300 000 crédits. Avec mes 390 millions, j'ai de quoi voir venir. Donc voilà comment on navigue dans le jeu, simplement. On peut le faire en pilote automatique. Par exemple, je vais ici, je dis que je veux aller à cette station qui est à 14 jumps de distance. Je fais clic droit, Set Destination. Donc là, le jeu me calcule la route la plus simple pour y aller. Si je vais dans la map, elle va être dessinée, ma route. Donc, voilà. Tac, 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 vous voyez. Et je peux soit la suivre, donc le prochain point de passage est affiché en jaune, ou bien cliquer sur autopilot, et le vaisseau ira tout seul, je peux partir à FK. Sauf qu'il va être moins rapide. Il va sortir de warp assez loin des portes, finir avec les propulseurs, et il va mettre beaucoup de temps à jumper, donc c'est beaucoup plus lent de se déplacer en pilote automatique. En général, on le fait pas. Donc je repars vers Tidasha. Donc là, j'ai mes trois niveaux de tank, donc mon shield en premier, la première barre. La barre du milieu, c'est mon armure, mon blindage. Et le dernier, c'est la structure. Donc c'est lorsque tout est vide, boum, vaisseau est détruit. En dessous, c'est la vitesse, en bleu, donc là je suis à vitesse maximum. Et orange, c'est le capaciteur. Donc c'est l'énergie que j'ai en stock. Quand c'est vide, j'ai plus d'énergie. Donc il y a différents scanners, la soute, pour scanner les vaisseaux ennemis. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Là, c'est la zone de chat, avec différents onglets de chat. Donc ça, c'est celui de ma corporation, dans laquelle je me trouve. Je vous parlerai des corporations, ça mérite aussi un tutoriel à part entière. Je pense que pour cette première vidéo, on va faire juste un petit tour d'horizon, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Vous voyez, la station, là, elle est en carré. Elle a une forme carrée dans les icônes, donc je clique dessus. Hop, là, je fais warp. Donc je pourrais faire directement dock à la station. Dans ce cas-là, mon vaisseau ferait tout seul. Il irait jusqu'à la station et il s'amarrerait. Mais comme je ferais plusieurs choses d'un coup, donc je lui dirais directement de warper et après de se docker la station, il mettrait plus de temps. C'est-à-dire qu'il warperait jusqu'à loin de la station et il finirait avec ses propulseurs avant de se docker. Là, si je fais manuellement warper puis après docker, je gagne du temps. Donc c'est pour favoriser les joueurs qui restent vraiment devant, plutôt que ceux qui font de l'autopilot. Là, hop, je m'amarre, je demande une autorisation d'amarrage. Et je vais revenir à l'intérieur. Voilà. Quoi d'autre? Les agents, très important les agents. Donc les agents, ce sont les PNJ qui vous proposent des missions. Vous pouvez vous faire proposer des missions par des joueurs, mais j'y reviendrai plus tard. Lorsque vous jouez un perso, j'allais dire combattant, mais ça marche pour n'importe quoi, vous pouvez contacter les agents pour leur parler, et ils vous proposent des missions. Ils vont vous proposer des missions que vous accomplissez, ça peut être des missions de combat, mais également des missions de transport, des missions industrielles, des missions de minage, il y a plein de types de missions. Et
Si vous l'accomplissez, il vous paye et vous gagnez du standing. Alors, comment marche le standing? Je prends Beomilar Bretirdur, qui est un PNJ. Donc il fait partie du consulat Amatar, donc c'est sa faction de laquelle il fait partie. Et donc, il peut me proposer des missions. Donc là, il est available to you, donc je peux, il peut me donner des missions security, donc ça va être des missions de type security, des missions de combat en général. Il y a d'autres agents, hein, qui vont être des agents de commerce, des agents de minage, etc., qui vont vous donner des missions différentes. Donc je peux faire clic droit Start Conversation et il va me proposer une mission que je peux accepter ou refuser. Au début, seuls les agents de niveau 1 sont disponibles pour vous. Ils vous proposeront des missions parce que votre standing avec eux-mêmes est faible. Donc votre standing, c'est votre réputation. Donc là, ma réputation auprès de cet homme-là, Biominar Bretidur vers Brazouk, est de 3,50. C'est sur environ 10, je dirais. Hein. Donc c'est good, c'est bien. Donc il va me donner des missions. Mais il est niveau 2, donc il va me donner des missions de niveau 2. Au départ, lorsque je vais la première fois aller voir un agent du consulat Amatar, je vais avoir une réputation de 0 avec eux. Les agents de niveau 2 voudront pas me parler. Donc je ne pourrai avoir accès qu'aux agents de niveau 1. Et plus je vais gagner de standing avec un agent de niveau 1, déjà, plus il me donnera d'argent pour les missions. Plus les missions que je ferai pour lui me rapporteront d'argent. Et je gagnerai également de la réputation avec sa faction, avec le Amatar Consulat. Quand j'aurai gagné assez de standing avec Amatar Consulat, peut-être que les niveaux 2 me proposeront des missions, etc., etc., jusqu'au niveau 4, qui sont les plus élevés. Donc lui, il m'aime beaucoup, hein, 4,65, qui me permet donc enfin d'avoir des missions avec ce gars-là. Donc le Amatar Consulat m'aime beaucoup, hein, 8,34, donc excellent, j'ai un très bon standing avec eux. Ce qui me permet d'avoir quasiment toutes les missions dans cette faction. Sachant que certaines factions vous proposent des missions contre d'autres factions, et donc vous perdez du standing avec d'autres factions. Donc c'est assez dangereux, il faut faire attention aux missions que vous acceptez. Des fois, vous pouvez déplaire donc à certaines personnes. Il y a quatre factions, Kaldari, Minmatar, Amar et Kaldari. J'ai déjà dit Kaldari, non. Attendez, Kaldari, Galant, j'ai oublié les Galant, Minmatar et Amar. Et donc, certains ont des mésententes et aider l'un fait déplaire aux autres. Il faut bien gérer son standing. Donc voilà, vous gagnez du standing en faisant des missions pour une faction, ce qui va vous permettre de débloquer de meilleures missions au fur et à mesure du jeu. Ce qui m'amène aux skills. C'est la dernière chose que je vous montrerai dans cette vidéo, je vous le promets. Les skills. Votre personnage a des compétences, des skills. Donc là, c'est des domaines. Donc il y a des skins de blindage, des skins de drone, des skins de système électronique, des skins d'ingénierie, etc. Et des attributs. Donc ça, c'est son compétence. Perception, mémoire, volonté, intelligence, charisme. Ça, on les choisit au départ, quand on crée le personnage. Et on peut les évoluer plus tard avec certains équipements, mais sinon, ça reste relativement figé. Les skills, donc les compétences, par exemple on va prendre missile, là en ce moment il y a cruise missile, donc missile de croisière. Donc c'est une compétence que j'ai au niveau 4 et que je suis en train d'apprendre pour le niveau 5, level 4, et j'ai le niveau 5 qui est en train de clignoter, donc il se fait. Dans ce jeu, les compétences montent toutes seules. Je dis, je veux apprendre cruise missile, il me faut 4 jours, 9h, 45 minutes, voilà. Même si je déconnecte le jeu et que je joue plus, ma compétence, au bout de 4 jours, je vais l'avoir. Ce qui est donc très simple. Elle monte toute seule, mais il y en a énormément. Donc là, par exemple, Cruise Missile augmente de 5% les dégâts de mes missiles de croisière par niveau. Donc là, actuellement, je suis déjà niveau 4, donc tous mes missiles de croisière ont des dégâts augmentés de 20%. Quand je serai au niveau 5, ils auront des dégâts augmentés de 25%. Donc j'en ai plein de compétences, évidemment. Par exemple, il y en a qui servent à réduire la vitesse de l'adversaire pour le calcul des dégâts, parce que plus un adversaire va vite, moins les missiles lui font de dégâts. Donc c'est dans Target Prediction, Navigation Prediction, voilà, qui réduit la vitesse, 10% de descente de vitesse pour le calcul des dégâts. Donc ça me permet de réduire le tank speed, donc le fait que certains vaisseaux se rendent plus solides en accélérant. Donc voilà pour mes différents skills. Attendez, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a essayé de me parler. Je l'ai éconduit. Voilà, donc les skills, comme je disais, ça prenne tout seul. Donc il faut des fois acheter un livre pour apprendre un nouveau skill, pour le rajouter si on ne l'a pas encore. Et ensuite, il faut l'apprendre en le sélectionnant et en attendant le temps nécessaire pour qu'il monte de niveau. Ce que je voulais en venir, là où je voulais en venir, pardon, c'est qu'il y a des skills, bon, qu'on peut s'attendre dans missile, il y a certains skills qui augmentent la portée, la puissance des missiles. Dans Gunnery, c'est pour les canons, dans Ingénierie, on peut améliorer, donc l'électronique, par exemple, ça augmente. Dans CPU Management, ça va diminuer le coût
CPU pour installer des nouveaux modules dans mon vaisseau, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc ça permet d'avoir plus d'équipement sur son vaisseau, donc il y en a plein plein. Et il y a les skills sociaux, notamment social, qui est très intéressant, qui augmente le standing que l'on gagne auprès des agents. Donc le skill social permet d'avoir assez rapidement de bons skills. Il y a des skills criminal connection, par exemple, qui augmentent le standing avec les factions criminelles. Donc il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Pareil pour trade, j'en ai pas. Il y a des skills commerciaux pour vendre ou acheter en payant moins de commissions. On fera aussi un tutoriel sur le commerce, vous inquiétez pas. Voilà, donc les skills jouent sur tous les éléments de gameplay. Le social avec les PNJ, le commerce, le combat, le déplacement, l'industrie, puisque le fait de fondre des minéraux, enfin de désactiver des objets, de fondre des minéraux, ça demande des skills d'industrie, de la recherche, pour faire de la recherche. Les skills sont vraiment très très importants dans ce jeu. Donc voilà, j'ai propulsion de jamming qui me permet d'installer des équipements spéciaux pour bloquer les adversaires, target painting qui me permet d'installer des appareils pour des viseurs laser, donc pour améliorer mes viseurs laser. Voilà, donc elle a plein. Donc les médailles, j'en ai pas jamais vu l'intérêt. Ça, c'est des bonus, des implants. Donc là, j'ai un ocular filter, donc un filtre oculaire qui fait plus 100 en perception. Ah oui, je vous explique. À quoi servent ces points-là? Ils servent à calculer la vitesse à laquelle vous débloquez des skills. Par exemple, je suis actuellement en train de travailler la compétence cruise missile. Il me faut 4 jours, 9h, 42 minutes. C'est une skill qui dépend de perception et volonté, perception et willpower. Plus ma perception et ma willpower sont élevées, moins de temps ce skill va demander à monter. Donc il faut dès le début, quand vous créez votre personnage, que vous réfléchissiez bien à quoi vous voulez faire. Si vous voulez un perso vraiment bon en combat, il faut prendre un bon score de perception, parce que la plupart des skills de combat seront dans perception. Moi je voulais missile, donc j'ai pris perception et intelligence, parce que j'ai fait un combattant missile, qui utilise presque que des missiles. Voilà, bon, une petite biographie qu'on peut taper. Là, c'est les différentes factions auxquelles on a appartenu. Les standings que l'on a, donc bon, j'ai avec plein de gens, j'ai du standing, donc c'est bien. Mon security status, c'est comment je me place par rapport à la loi. Je ferai un petit tutoriel sur la loi plus tard. Donc là pour l'instant il est très bon parce que j'ai tué plein de pirates et je n'ai jamais agressé un joueur en PVP sauvage. Là c'est mes droits de tuer, donc si j'ai le droit de tuer quelqu'un, ça peut arriver sans que la police n'intervienne. Bon, le combat log c'est pour savoir les gens que j'ai tués. Ma licence de pilote. Voilà, donc c'est... Alors c'est un élément intéressant du jeu. Allez, j'en finis avec ça, après j'arrête, je me tais. Le Plex. Alors, c'est un jeu payant, Eve. Donc chaque mois il faut payer 15€ pour avoir le droit de jouer. 15$, excusez-moi. Pour avoir le droit de jouer. Ce qu'on appelle un Plex, donc c'est une autorisation de jouer pour un mois. C'est un Pilot License Extension. Donc c'est le fait de, on va dire si on raisonne en jeu, c'est le fait de prolonger sa licence de pilotage pendant un mois. Donc on paye avec du vrai argent, on est d'accord, une Pilot License Expansion pour jouer 30 jours de plus. Donc j'achète tous les mois, je paye 15€, j'ai mon Plex et je peux jouer un mois de plus. Rien ne m'empêche d'acheter un Plex en plus alors que j'ai déjà le droit de jouer. Et j'aurai l'élément in-game, et je peux le vendre à un autre joueur pour que lui puisse l'ajouter à son compte et y gagner 30 jours de jeu en plus. Ça a deux intérêts. Si vous avez un peu d'argent, si vous êtes, on va dire, si vous avez un peu de sous de côté, de vrai argent je parle, hein, vous pouvez vous acheter un Plex, et le vendre à un joueur. Ça vaut environ 400 millions, je crois, actuellement, de crédit. Enfin, c'est le cours qu'on trouve actuellement sur le marché. Donc vous, ça vous permet de vous faire plein d'argent. 15€, vous faites du pay to win, si vous avez envie de payer pour gagner plus d'argent plus vite. Voilà, vous n'avez pas envie de vous embêter à farmer. Tac, vous achetez un Plex et vous le vendez à un joueur. Et ce joueur, lui, s'il joue beaucoup et qu'il farme du fric, donc qu'il gagne beaucoup d'argent dans le jeu, il peut jouer sans dépenser d'argent, en gagnant plein de millions de crédits et en achetant des Plex à d'autres joueurs pour rajouter à son compte du temps de jeu sans avoir à dépenser de sous. C'est bien. Alors, un Plex, combien ça coûte? 30 day, 30 day, pilot license. Voyons voir. Oh, beaucoup plus que ça. On peut les acheter, donc dans cette station, ici, quelqu'un en vend un à 630 millions. Si je classe par prix, ben c'est le 613 millions le moins cher, à 6 d'ici. Et il y a des gens qui en achètent, donc qui ont mis des ordres d'achat, qui sont prêts à en acheter. Le prix le plus élevé qu'on peut trouver, ben 586 millions, quelqu'un qui est prêt à en acheter un, 586 millions à 4 sauts d'ici. Donc voilà, on peut jouer sans dépenser d'argent dans Eve, à condition de gagner assez de sous in-game pour pouvoir acheter du temps de jeu. Il n'y a pas photo, les mineurs sont avantagés là-dessus, puisque l'activité de minage est celle qui rapporte le plus d'argent rapidement. Un newbie qui, en une semaine, peut commencer à gagner des millions, alors qu'un combattant va ramer quelques mois avant d'en arriver là. J'exagère peut-être un petit peu, mais... Vraiment, le minage est ce qui est à court terme le plus rentable.
Donc si vous voulez jouer gratuitement, vous allez devoir payer quand même un mois, je pense, hein, mais vous allez rapidement pouvoir acquérir suffisamment de sous en minant pour ne plus avoir à payer pour jouer. Je vais en rester là, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, depuis pas loin d'une demi-heure. Je vous ai encore pas montré beaucoup d'éléments de gameplay. Je ferai des petites vidéos un peu plus courtes sur chaque élément de jeu pris bout à bout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me demander ce dont vous voulez que je vous parle. Et voilà, à bientôt.